Salut tout le monde, c'est Kerwendo et on se retrouve aujourd'hui, samedi, donc bon week-end à tous pour ce troisième épisode de Mario Tennis Ultra Smash. Je dis troisième, mais c'est peut-être le dernier, en fait j'en sais rien parce qu'il y a quand même peu de contenu sur le jeu. Il est cool, mais on en a fait le tour ensemble. Enfin non, on n'a pas encore vu le online, donc on va jouer en online. Mais à part ça, je crois que ça va être un peu tout en fait. Parce que voilà, le jeu est pas mauvais, hein, mais voilà, il n'y a pas grand chose dedans. Donc quand même, avant, je voulais voir si on pouvait pas débloquer un nouveau perso pour cet épisode. Parce qu'il y en a quand même des pas mal. Et on peut échanger comme ça nos pièces contre des persos. Donc on va dépenser contre lui. Je suis pas spécialement fan de ce perso, mais bon, allez, allons-y. On peut même en acheter un autre. Donc ben voilà, on va faire plaisir aux filles qui nous regardent. Et on va prendre Toadette. Donc je vais jouer certainement avec ces deux persos. Désolé, Bowser Jr., ce sera une autre fois. Question du jour, quel est votre perso préféré de ce jeu? Alors, bah, vous allez voir la liste dans quelques instants. Est-ce qu'on peut jouer avec l'amiibo? Je sais plus, ça, on s'en fout. Ah voilà, ok, donc pour un joueur, un amiibo. Ok, donc voilà, vous voyez les persos, donc il y a Bowser Jr. Hein, dans le truc qui manque. Et voilà, bon alors moi je vais jouer avec... J'aime pas trop Bowser Squelette, je préfère Toadette en fait, quitte à choisir, mais bon. Allons-y, on changera après. Donc, bah, pendant que le match va se... Allez, voilà, on va commander. Pendant que le match va se chercher... Après, je sais pas s'il y a des gens online. Eh bien, je voulais vous dire que, donc, tant qu'il y aura pas plus de contenu dans le jeu, par mise à jour ou je ne sais pas quoi, je pense pas que je vais retourner dessus. À moins que j'ai quelqu'un avec qui le faire. Si Rat vient finalement chez moi ou quelqu'un vient chez moi, peut-être Kiki, je sais pas. On le fera peut-être ensemble, on vous fera peut-être d'autres épisodes. Mais pour le moment, je pense qu'on va en rester un peu là. Parce que voilà, c'est sympa, mais bon, voilà quoi, c'est quoi cet indicateur de connexion? Genre, ils ont développé un indicateur de connexion. C'est le truc grave utile, genre, ils mettraient ça dans Smash Bros. Ou dans Mario Kart 8, ce serait cool. C'est pas ironique, hein, ce serait cool. Parce que comme ça, on saurait si la connexion déconne ou pas avant que le match commence, mais... Il y a rien dans ce jeu, alors pourquoi vous l'avez fait? Alors, est-ce qu'ils ont dû... Ouh! Ils ont l'air d'avoir du level. Bah déjà, mon Mario, il va pas servir à grand-chose, parce que... Ah bon, son Luigi n'a pas l'air de servir à grand-chose, parce que... Eh ben voilà, ça commence bien. Il a un Luigi pourri. Nous, notre Mario, ça va, il est pas si mauvais. J'espère qu'on va gagner des pièces, ça se trouve, comme ça, on va pouvoir peut-être avoir Bowser Jr. dans cet épisode. Ouh. Ouh. Non, mais pourquoi j'arrive pas à faire des bonnes balles? Qu'est-ce qui m'arrive? J'appuie sur A et ça fait des balles de merde. J'ai du mal à comprendre. Je joue bien lui, là. Ok, ça c'est bien. Ah, mais comme c'est un perso dé... Ok, donc comme c'est un perso défense, en fait, c'est chaud parce que ça fait qu'il a des balles de merde, en fait. Il a absolument pas de force. Et quand je pense à... Mais oui, il a carrément pas de force. Alors quand je pense à Bowser, qui a énormément de force, là on voit... Hey, là on voit un perso qui... C'est genre Bowser, hein, c'est carrément Bowser, mais qui a pas de force. Bah voilà, apparemment c'est possible. Bah ça fait bizarre. Ça fait pas très logique, en fait, si je puis dire. Ouf. J'arrive pas à voir ce que font les balles. C'est incroyable. Oh. Oula. Il a réussi à rattraper ça. Et... Non mais... Là, il pouvait pas la rattraper, c'est pas la peine de courir. Bon, bah, perso quand même bien moyen. Je sais pas si vous êtes fan de ce Bowser squelette, mais moi... Enfin, c'est vrai qu'il a la classe. Mais en tout cas, en tant que... Dans son gameplay... Mais what? Enfin, voilà. C'est pourri. Sinon, Libella, elle est cool. Libella, elle est quoi? Ça se trouve, en fait, elle est aussi défense. Je dis qu'elle est bien, mais ça se trouve, elle est aussi défense. Mais je crois que Waluigi, il est défense aussi, non? Ça m'étonnerait pas, parce qu'il a des balles qui sont absolument pas puissantes, en fait, lui aussi. Ouh. What? Comment il a fait pour envoyer ce truc-là? Il est pété, aussi. C'est parce qu'il est grand. Si Mario pouvait ne pas... Bon, dommage. Mais si Mario pouvait ne pas rattraper le champi, ce serait cool, parce que il sert un peu à rien quand il l'a. Oh, je le veux, ouais. Il est beau, il est beau. Ça sert à rien, mais il est beau. Ouf. Ok, what? Alors là, ça rame. Ça s'est mis à ramer d'un coup, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait tac, tac, tac. Genre Waluigi, le pauvre. Ah, c'est moi qui sers pour la balle de match, c'est ça? Je sais pas si c'est la balle de match. J'ai pas fait gaffe. Et mais si on décide de garder la balle, en fait, et qu'on l'envoie pas, genre le match, il se finit jamais? Ce serait horrible pour la personne qui est en face. Wow. Vas-y, vas-y! Yes! Yes! Pour une fois qu'il est utile, ce Mario. Donc c'est bon? Balle de match? Non? Non? Ah ouais, balle de match, ok. Et c'est encore moi qui sers. C'est injuste. C'est injuste.
On est les premiers, c'est encore nous qui servons. Ouf. Mais il m'est arrivé dans Mario Tennis Open, je crois que c'était contre Rat, des parties ultra bizarres, parce qu'en fait, normalement, quand on sert au tennis, on a un avantage. Donc c'est pour ça qu'on échange, mais... Ok. Parce que celui qui sert, il a un avantage. C'est quasiment certain. Il a plus de chances de marquer le point. Mais quand je jouais contre Rat, quand je servais... Ok. Ok, c'était pitoyable, mais bon, bravo. Donc oui, quand je servais, bah, je m'en sentais quand même... Et voilà, ils nous ont mis tous les deux. Ça, c'est cool. Parce que c'était pas le cas en solo. Oh. Ok, un beau score à la fin. Donc Mario a quand même marqué 2 points, ce qui n'est pas si mal. Je vais bientôt pouvoir débloquer un autre perso. En un épisode, on aura débloqué tous les persos, quoi. Faut le dire, hein, faut le dire. Bon, on va changer de personnage. On va bien varier comme ça les personnages. On va essayer de faire un peu le tour de tout ce qu'on a. Donc voilà, Toadette. Attendez, je vais voir ce qu'elle était, Libella. Tant pis. Libella, elle doit être ruse. Elle est ruse. Je pense. Elle est ruse ou elle est vitesse. Je sais pas. Mais de toute façon, on le saura. C'est pas grave. De toute façon, si vous regardez l'épisode d'avant, je l'ai joué. Donc princesse Libella, oui. Il y a Matt Master Gaming qui a dit que Libella s'appelait Sprixy. Non, Sprixy, c'est le nom anglais de toutes les Libella. Elle s'appelle Sprixy en anglais, Sprixy Princess, et en français, c'est Princesse Libella, pour toutes. La Libella verte, elle a pas de nom, elle s'appelle Princesse Libella verte, voilà. Ou Green Sprixy Princess, voilà. Mais il n'y a pas de Sprixy, c'est pas une Libella en particulier, voilà. Bon, tu fous quoi, là? Tu trouves un joueur ou quoi? Ce jeu a fait un four à son lancement en Angleterre. Il a genre même pas été dans le top. On sait pas encore pour la sortie française, mais à mon avis, il sera pas dans le top de la semaine non plus. C'est assez dingue, en fait. Il fait pas de vente du tout. Donc, voilà, je sais pas. Ah, on a une bonne connexion, là. Donc, je sais pas trop quoi dire, quoi. Parce que le jeu est sympa, en fait. Il est vraiment cool. Mais il manque du contenu, quoi. Quitte à choisir... Acheter Mario Tennis Open sur 3DS, c'est le même jeu en mieux, enfin c'est le même jeu en plus complet. Tout ce qu'il a comme avantage, celui-là, c'est que il est beau. Et là, clairement, bon, on peut pas dire l'inverse, hein, il est beau. Ok. Bon, ils savent pas trop bien jouer là. Enfin, son Mario là, il est un peu mauvais. Mais elle est trop mignonne, Toadette. Wow. What? Mais comment je fais ça? J'ai l'impression qu'il joue pas en fait. Ouf. Il était pas... Oh, bien. Oh, j'ai eu peur, là. La frappe sur le joueur, ça m'a... Le pauvre Mario, il a fait... Genre, waouh. Le pauvre. Allez. Non, mais le boom, il est trop mauvais. Mais ils sont tous trop mauvais, là. C'est quoi, cette équipe? C'est une grosse équipe de bras cassés, là. Mais what? On a marqué sur un service. Bon, attendez. Je vais les laisser marquer un point, quand même. Allez. Voilà. Attendez, je vais essayer de laisser marquer un point, parce que j'ai l'impression que malgré tout... Ah, voilà, quand même. Ok, ils arrivent à marquer un point. Bon. Je vais essayer de bouger, quand même, pour pas que Toadette... Ah ouais, mais là, je suis... Ah, c'est bon. Oh, Toadette géante. Wouhou. Oh, j'étais plus occupé à faire... Et voilà. C'était pas un Ultra Smash? J'en sais rien. Comment ils ont fait pour louper une balle pareille? Oh là 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 là. Hey, c'est la balle de match maintenant, ok. Allez, mince. Oh d'accord, donc quand on se prend une frappe sur le joueur alors qu'on est géant, on redevient petit. Ok, alors ça, c'est le... Il savait pas jouer. Ça, c'est le genre de truc... Ok, c'est logique qu'ils y aient pensé, parce que dans les Mario, quand on se fait toucher par un ennemi, on devient petit. Donc ouais, c'est logique, même si le méga champi, quand on se fait toucher, on devient pas petit, mais bon, voilà, bref, on va pas chipoter. Mais donc c'est un peu logique, mais c'est bizarre quand même, enfin, je veux dire... Enfin, c'est bizarre qu'ils y aient pensé, quoi, qu'ils l'aient développé, alors que... Attendez, c'était un bouton bloqué qu'il y avait là-haut? Genre, je pouvais bloquer le joueur? Je vais bloquer un joueur sur Mario Tennis? Genre, j'ai que ça à faire. Genre, il y a 4 personnes dans le monde entier sur le online, et je vais les bloquer. Faudrait vraiment être débile. Oh, donc un combat de princesse. J'ai pas regardé quel type elle était, vous l'avez peut-être vu là. Moi j'ai pas regardé, c'est pas grave. Allez, on commence. Je m'impatiente. Mais j'adore le gameplay de ce jeu en fait. Je trouve que les parties sont super fun. Mais voilà quoi, les parties sont fun, mais il n'y a rien à faire après. Il n'y a même pas de vrai mode solo, il n'y a pas d'autres modes de jeu. Pourquoi il n'y a pas le mode des cerceaux?
Enfin, c'est la base dans tous les Mario Tennis d'avoir le mode où la balle doit passer dans les cerceaux et revenir. Enfin, c'est une évidence, quoi. J'ai même pas cherché sur internet avant d'acheter le jeu si ce mode était dans le jeu, parce que ça me paraissait logique. Et en fait, non. Alors, par contre, il a une pitch qui est bien évoluée. Hein. Elle est bien améliorée. Et what? Ok. What? Eh oh. Déjà, on est sur un terrain spécial, c'est bien, mais pourquoi? Eh oh. Eh oh. Ah! Voilà. J'espère qu'il va pas faire ça à chaque fois, parce que sinon, je vais le bloquer. Ok, c'était bien Mario. Bon, il a pas fait le super coup, mais c'est pas grave. Ah, c'est à moi. Ok. Oh, elle est trop mignonne, la princesse Prixie. Ouf. Ah, c'est un terrain. Ok. En fait, c'est un terrain qui dérive. Waouh, qui fait dévier les balles. Voilà, j'arrivais pas à parler. Donc, qui fait dévier les balles. Genre, si on arrive sur le bleu là, en fait, elle va rebondir vachement à gauche. Et là, elle rebondit vachement à droite. Ok, c'est sympa, je trouve. Ils nous les ont envoyés en même temps, si vous voulez, mais. Par contre, c'est parce que j'allais le chercher, parce que c'est bien de les envoyer en même temps, mais. Faudrait que ce soit utile aussi. Oulala, comment ça rame? What? Mais ils jouent pas mal, hein. Déjà, ils ont une pitch qui est assez. Qui est pas mal améliorée. Et en plus de ça, la Daisy, là, elle est assez balèze. Ouais, bon, voilà, ça c'était pas rattrapable comme balle. Mais ok, ça me rappelle. Je sais pas pourquoi. Je sais carrément pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a pas de rapport, mais ça me rappelle Mario Sunshine, ce terrain. Alors, pourquoi je peux pas l'expliquer? Pourquoi ça me rappelle Mario Sunshine? Il y avait du bleu et du rouge comme ça dans Mario Sunshine? Oui, dans tous les jeux, il y a du bleu et du rouge, mais je veux dire... Il y a un rapport avec... voilà, balle, pff, elle est partie. Non, mais je comprends pas, enfin... Pourquoi il y avait du bleu et du rouge comme ça? À mon avis, ça doit être parce que dans Mario Tennis sur GameCube, dans le terrain Mario Sunshine, et bah, il y a ces éléments. Et alors, je sais pas trop pourquoi, mais il me semble qu'ils y sont. Alors là, maintenant, je les baise. C'est incroyable. Ouf. Voilà. Oh là 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 là. Non, là, la balle elle est trop courte. Je l'aurais pas. Si si, c'est bon. Oula. Elle est vraiment rapide, je crois. La Libella, elle est carrément vitesse. Parce qu'elle arrive à s'éjecter, à balancer, enfin, à rattraper les trucs. Ça m'étonnerait qu'elle soit russe, parce que, enfin, je sais pas, je la vois pas russe, en fait. Et alors, ce pauvre joueur, ça va être le premier joueur qu'on va bloquer sur Mario Tennis. Parce qu'il a mis grave longtemps à démarrer le match. Et parce que j'ai envie de voir ce que ça fait de bloquer. Donc, désolé, hein, je sais pas quel est ton pseudo. Je suis vraiment confus, mais tu vas me servir de cobaye. Et... Yeah! Un petit replay des familles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis devenu grand, mais ça sert à rien parce que j'avais déjà le point. Ok, d'accord. Alors la balle, elle a fait des trucs de ouf. C'était quoi dans le reflet? J'ai vu un truc dans le reflet de Libella. Oh, Libella et Mario, c'est trop la classe. Ok. Bon, j'ai marqué quasiment tous les points. Eh, c'est bon, on va pouvoir acheter Bowser Junior. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir tous les persos du jeu. Allez, on va le bloquer. On va le bloquer. Allez, bloquer. Moins. J'appuie sur moins, ça marche pas. Parce que c'est un panneau interdit et pas un moins. D'accord. Matthew, oh. Vous ne jouerez pas de match contre lui. Si vous bloquez un joueur, vous ne jouerez pas de match contre lui. Bah oui, mais pourquoi pas? Dis plutôt plus. Bon, non, on va pas le bloquer parce que le pauvre, ça se trouve, il est gentil en fait. Matthew, je connais des Matthew et j'ai pas envie d'être méchant. Alors. Donc on va débloquer notre petit Bowser Junior. C'est débile ce système, parce qu'en fait donc on peut débloquer tous les persos sans faire absolument le truc qui est demandé. Et on peut aussi débloquer des nouveaux trucs, mais voilà, faut disputer quand même beaucoup de matchs pour les avoir. Enfin beaucoup, pas énormément, mais oh, y a un niveau maître, un niveau légende en plus, les trucs impossibles. Remporter une victoire dans l'ascension des champions avec un amiibo aux aptitudes maximales. Et ça fait quoi ça? Entraînement amiibo? D'accord, bon c'est peut-être un nouveau mode de jeu, donc le seul autre mode de jeu. Bon bah on va repartir en ligne, en double, avec notre amiibo, style, partie classée. Oh, on peut jouer en classé. Ok, on va jouer en classé. Allez, durée, peu importe, joueur amiibo, voilà, en classé. Vous allez voir, il va y avoir personne. Allez, on va jouer avec, mais je sais qu'il a déjà rejoint la partie. Et on le joue, hey, on peut le jouer en étoile, comment on fait déjà? Ah oui, en moins. Voilà, on va jouer en étoile. En étoile, ça rajoute des stats au perso, mais ça leur donne des stats de dingue. Vous pouvez pas imaginer. Mais après, elle la joue en classé. Donc ça se trouve, les mecs vont être extrêmement forts. Parce que si c'est des rats, si c'est des clones de rats, c'est pas la peine. Quand je vais me faire laminer au premier match. Enfin, on va voir, on va voir. Ça se trouve, j'ai peur pour rien.
Par contre, faut me trouver un joueur. Je sais pas si le online sur ce Mario Tennis, il est régional. Régional, je m'explique, c'est-à-dire que par exemple Zelda Triforce Heroes, il est régional, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer en ligne si vous êtes en Europe avec des gens qui sont en Amérique ou au Japon. Alors que sur Splatoon, vous pouvez. Ça vous est déjà arrivé, je pense, de tomber sur des parties avec des Japonais ou des Américains. Enfin, les Américains, vous les reconnaissez peut-être pas forcément, mais les Japonais, enfin, ça se voit. Mais là, je sais pas donc s'il est bloqué à la région ou pas. Non, mais sérieusement, personne n'a acheté le jeu en fait. Parce que, genre, y a personne là. Je pense qu'on va repartir en partie sur le fun. Allez, on va repartir en partie sur le fun parce que y a personne. What? Ok, il y a eu un petit. Ça a un peu ramé. Allez, pour le fun. Là, je dois remettre mon amiibo. Ok. Et voilà, donc il est rusé. Et elle était technique. Ok, technique. Faudrait m'expliquer ce que ça fait qu'un perso technique. Je ne sais pas. Mais bon, ça doit être bien vu que j'ai gagné. Alors, ça va? Tu trouves un joueur là? Bon. Bon, en tout cas, j'ai vu vos retours sur le jeu, sur les questions du jour, quand vous disiez ouais, faut rajouter des persos, faut rajouter des modes de jeu et tout. Clairement, pour les persos, en fait, bon, je troll peut-être un peu, mais pour les persos, je trouve que ça va. C'est vrai que c'est pas beaucoup, c'est même moins que Mario Tennis Open, mais c'est correct, quoi. C'est pas. Ça change rien, du moment qu'on a un perso de chaque catégorie différente, de chaque classe, ça sert à rien d'avoir d'autres persos. C'est toujours fun. Mais c'est pas l'essentiel. Donc s'il me sortait à 20 € un pack de perso, je suis pas sûr que je le prendrais quoi. Alors que si c'était des modes de jeu, là clairement je les prendrais là, y a pas photo. Oh là 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 là. Et en plus je crois que j'ai pas pris mon perso en mode étoile. Ça fait peur. Oh! Lors d'un méga match, des méga champions sont lancés sur le court. Attrapez-en un pour vous transformer temporairement en géant. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Ok. Bon, alors, donc il a la balle sur son. Ok. Bowser Junior, c'est quand même pas un flemmard parce que, genre, il fait pas grand chose. En fait. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ces balles de merde? Frappe sur le joueur, ils sont sérieux. C'était pitoyable. C'était un truc pitoyable. Ouais! Wow. Je comprends pas là. On est pourtant pas en ranked. Ouh, vas-y, Mario! Mais Mario! Inutile. Yeah! Bon, au lieu de faire le malin, là, je de. Désolé, Bowser. Pas très balèze, le Bowser. Désolé, papa. Allez, vas-y, Mario. C'est bon, on a marqué. C'était sûr, hein, qu'on marquait sur un point comme ça. Ils étaient tous à gauche, et Bowser, il a l'air d'être assez lent d'esprit quand même. Le Bowser. Il est vraiment pas très malin. Bah regardez, voilà, il a se passé une balle juste devant lui, quoi. Ouais, voilà, il est un petit peu lent. Hein. C'est pas grave. Il est cool, Bowser Junior. Mais pareil. Oh! Luigi a quand même réussi à se transformer. Mais ça suffira pas, quoi. Il est trop content, le Bowser Junior. Quel perso je vais prendre pour le dernier match de cette vidéo après? Je sais pas. Je sais pas. Essayez de deviner dans les commentaires. Moi, je sais pas trop encore. Je verrai quel perso j'ai pas encore pris. Déjà, ce sera pas Mario, parce que Mario, comme je l'ai en amiibo, il y a un perso que j'ai déjà joué. Mais. Il y a des points qui sont, mais incompréhensibles. Genre, on se retrouve, on se prend les balles, mais. Enfin, c'est chaud quoi. Ouh là 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 là. Ok, ça c'était pas de chance. C'était pas de chance. Elle était largement trop haute pour moi. Allez. Ouh, c'était lui qui servait. Ok. Ah, Bowser. Ouh! Son Bowser Amiibo fait des fois les super frappes. Enfin, les ultra smash. Parce que moi, il le fait pas. Hein. Va falloir qu'il lui donne des cours parce que. Ça m'arrangerait qu'il le fasse un moment. Oh là là. Ah bah c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah si, si, si. Ils auraient pu la rattraper quand même. Si c'était pas l'amiibo qui était parti la chercher. What? Frappe sur le joueur? Bon, ok, frappe sur le joueur au premier tour. Bah oui, bon, c'est pas grave, ça arrive. Enfin, c'est grave pour eux. Parce que ça a égalisé, mais. Oh là là, comment il a fait? Je suis. Étonné par comment il a fait pour le rattraper là. Non mais. C'est pas sérieux là. Allez, balle de match.
Ouais, si le combat, si le match dure trop longtemps, il y aura peut-être pas d'autres. Pas d'autres matchs. Mario! Mario, pourquoi tu prends ça? Ça sert à rien, t'es nul! Ah, le pauvre Bowser Junior. Il arrive pas à réceptionner correctement les balles, ça... Voilà, voilà. La première défaite de Kirbendo. En vrai, je crois que c'est peut-être ma première défaite sur le Let's Play. Et donc ma première défaite tout court parce que j'ai pas joué au jeu en dehors du Let's Play. Parce que voilà quoi, comme il n'y a pas grand chose à faire dans le jeu, ça veut pas dire qu'il est nul. Hein. Mais il n'y a rien à faire quoi. Donc on va chercher, pas chercher un nouvel adversaire, on va changer de perso. Et je vais prendre... Eh bien... Pas lui, parce que lui alors... plutôt mourir, je pense. J'aime pas les persos puissance. Bou, Bou, j'adore Bou. Je crois que j'ai pas joué avec Bou pour le moment. J'adore Bou normalement dans les genres Mario Tennis, Mario Golf, tout ça. J'ai peut-être pas joué dans les Mario Golf. Dans les Mario Tennis, j'adore Bou, jouer avec lui. Bon, normalement, je prends Diddy Kong, mais en deuxième choix, j'aime bien prendre Bou. Mais c'est dans quoi que je prends Bou alors? Peut-être dans les Mario Party aussi. Il était pas jouable depuis Mario Party 5. Il y est plus maintenant, mais il me semble qu'il était jouable dans Mario Party 5 et tout. Mais bon. Et pourquoi ils nous ont pas sorti d'amiibo, genre d'amiibo Mario Tennis? Ils pourraient nous sortir des amiibo genre Princesse Libella? Non, non, je rigole. Mais ils pourraient nous sortir un amiibo Toadette, par exemple, ou Boo, ça, ce serait cool. Ou pas, non, pas Waluigi, alors ça... Qu'il aille au diable, ce perso. Oh, oh non. Oh, ah ouais, c'est vrai qu'avec Boo, on peut quasiment se TP partout, en fait. Mais il a la classe, Boo. Avec son aura autour, là. Allez. Wouah. Je loupe tout le temps les super balles, mais là la pauvre Toadette, elle s'est éclatée contre sur le. What? Qu'est-ce que. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je sais. Ok, mais j'ai pas trop compris ce que je faisais là en fait. Ça rend malade. Ouf, alors bouffe. Non, je veux bouger, oh non! Un jour, je vais le tuer cet amiibo. Je vais le prendre et... Non. Allez. Wouah. Mais rendez-vous utile, Mario, rendez-vous utile. Oula, elle a fait bugger exprès. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Mario, t'aurais pas pu rattraper la balle avant. Non, là, c'est impossible. C'était carrément trop loin. Mais Mario, je te signale que si tu restes en géant... ça va pas le faire. Parce que c'est Bou qui doit être en géant là. Ok. Désolé Luigi. Désolé. Pas désolé. Allez, 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 allez. Ouh. Voilà. Ça fait quand même sacrément mal. Ah le champi géant. Non Mario, non. Non. Bon, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Un jour. Mais j'ai quand même perdu le point pour essayer de l'avoir. Je tiens quand même à le dire. Je veux, je veux. Ah voilà, c'est bon. J'allais péter un câble. Allez, mais bon, j'ai perdu mais carrément trop de points par contre pour l'avoir. Mais ah, c'est à mon tour. Allez. Alors ça, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Du moment qu'il a pas gagné, c'est bon, mais... Eh non, mais je savais pas que c'était encore un mode servir. Par contre, la texture sur les yeux de Bou, elle est carrément moche. Non, pourquoi Bou, tu te TP alors que la balle, elle était genre à 2 cm de toi, quoi. Ouh. Ok, bon, bah, félicitations, félicitations. J'arrive sur des joueurs pas si mal. Donc, bravo, Marc. En tout cas, waouh... Ok, c'était des matchs sympas. Je sais pas si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le montrer en mettant un pouce bleu sur cette vidéo et en répondant à la question du jour et en partageant sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner aussi, si c'est pas encore le cas. Puis si ça vous a plu, bien entendu. Hein, vous abonnez pas si vous aimez pas. Hein. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve certainement pas très bientôt pour Mario Tennis Ultra Smash. Mais on se retrouve demain pour Animal Crossing, Amiibo Festival et Super Mario Maker. Salut!